Le monde a beaucoup changé en un siècle, mais en revanche, l'humanité, elle, a beaucoup stagné. Des pénuries diverses ont frappé l'humanité, empêchant la technologie d'évoluer à la même vitesse. L'humanité a donc dû s'adapter et, par la force des choses, a recyclé ses différentes ressources, afin de continuer à vivre avec le même confort. Malheureusement, il était trop tard et le monde a commencé à changer. Plus grand marqueur, la glace qui existait autrefois a disparu depuis plus de 20 ans. Une toute nouvelle station balnéaire a ouvert ses portes possibles. Vous pouvez désormais profiter d'un moment de détente à l'autre bout de la Terre, à l'écart de... Oh frérot, j'ai ramené des pizzas. T'as faim toi? Ouais, bah vas-y, envoie, je suis chaud, hein. Moi j'ai la dalle. Hein. Allez. Les pizzas, là. T'as entendu un peu parler de l'ubérisation des flics, là? Quoi? Ouais, ils veulent faire un nouveau truc. Genre, c'est les citoyens qui, tu sais, qui se font payer par l'État pour dénoncer les autres, quoi. C'est quoi ce délire encore, là? En fait, ça va jamais s'arrêter. Pff, laisse tomber. Bon, allez, viens. On va se faire des pizzas un peu. Allez. Ouais, je vais me coucher. Je vais me claquer. Allez, à demain. Allez, bonne journée, Paul. Je suis claqué. J'ai passé une journée de... J'en ai le meilleur de boulot là. C'est quoi, viens, c'est un petit FIFA 100. Ça va Mathieu, ouais. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Ouais. Pépé est mort. Hôpital Saint-Exupéry, bonjour. Oui, je voudrais parler à la chambre A113. À la chambre de Bernard Foncier. Oui. Un instant, s'il vous plaît, je regarde. Ok. Monsieur? Oui. Je suis désolée, monsieur Foncier est décédé à la matinée. Il était encore là hier. Je suis désolé, je sais à quel point il comptait pour toi. Mais non, ça sert à rien. T'as aucune idée de qui il était. C'était la dernière personne de la famille, Paul.
Mais toi, tu l'as jamais considéré comme papa et maman. C'est bon, calme-toi, ça va. Me dis pas de me calmer. Il est mort. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je l'ai laissé mourir seul. Et moi, j'ai jamais rien fait pour lui. Moi, je suis encore là, moi. Ouais. Mais... Alice, je vais me coucher. C'est quoi, je vais me coucher. Salut Matt, viens t'asseoir. J'ai déjà télétransmis ton absence au travail. Sur te donner une semaine, t'as un bon job. J'aurais dû être plus là pour lui. Si j'avais été plus présent, ce serait peut-être plus battu, il serait encore là peut-être. Arrête de dire des bêtises. Je savais que c'était inéluctable, on était préparés. T'aurais rien pu faire. Moi, je vais aller me recoucher. J'ai besoin d'être seul. Bon les frangins, et 4h de l'après-midi, à un moment donné, faut bouger. Et j'ai reçu une lettre sur laquelle il y a écrit un expéditeur, un ami de votre grand-père. Donc si t'as envie de la lire, tu viens dans le salon. Je t'ai laissé la lettre là si t'as envie de la regarder. Cher Mathieu et cher Paul, je tiens d'abord à vous présenter mes condoléances. Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de votre grand-père. Il m'a chargé il y a quelques années de vous donner cette clé le jour de sa mort. Cette clé ouvre un garage au 36 rue du Levant. Vous trouverez dans ce lieu un présent très important à ses yeux, mais que le monde a vu disparaître il y a quelques décennies. Cordialement, le plus vieil ami de votre grand-père. Je vais aller voir dans ce garage. Ok, c'est à mon courant.
Mes chers petits enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis certainement plus de ce monde. Vous trouverez dans ce carton et ce sac des reliques d'un ancien monde que j'ai connu dans ma jeunesse. À cette époque, l'hiver blanchissait les montagnes. Vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette neige de votre vie, mais à l'époque, nous pouvions la descendre et la remonter grâce à des installations dernier cri. Malheureusement, le réchauffement climatique que vous connaissez a eu raison d'une de ces merveilles du monde. Je faisais partie des derniers hommes à en avoir profité. Grâce à mes connaissances, j'avais en ma possession l'emplacement du dernier lieu sur Terre où nous pouvions en profiter. Malheureusement, les années ont raison de moi et je n'ai pas réussi à m'y rendre depuis 20 ans. Je vous fournis donc mon matériel ainsi qu'une carte décrivant l'emplacement de la dernière neige, en espérant que ma passion perdure à travers vous, amoureusement, votre grand-père. Sur place là et ouais. j'ai trouvé le garage de Pépé là, je suis dedans, tu verrais, c'est un endroit hors du temps, il y a des objets fous, des c'est je pensais pas trouver des choses comme ça ici, regarde. Il y a quoi? Je vais te montrer, tu vas pas en croire tes yeux, il y a des skis. T'as déjà vu des skis en vrai toi? Non, jamais. Non, et ben voilà, des skis, c'est... Je pensais pas en voir en vrai. Des skis, des chaussures pour mettre sur les skis, j'imagine. Tout pour faire du ski. Et une lettre, il nous a laissé une lettre. Il dit qu'il a trouvé un... qu'il connaît un endroit sur Terre où il y aurait encore la neige. Mais Matt, la neige, ça a disparu il y a plus de 20 ans, qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais il faut... On peut y croire. Moi, j'ai envie de croire que Pépé, il avait raison. Regarde, il y a une carte. Une carte. Ça s'invente pas quand même. Ben non, mais tu sais quoi, moi je vais y aller tout seul, je vais te dire que Pépé il avait raison. C'est bon, laisse tomber.